Alors, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour continuer le championnat automne et on va s'attaquer à la dernière zone de vitesse qui est zone de vitesse course de la rivière. Alors, c'est ici, vous devrez utiliser une Lamborghini S1 900 et il faudra faire 160,9 km/h. Et voilà. Alors, on va se positionner peu importe où. Je regarde un petit peu. On va se positionner ici par exemple. Mais je vois évidemment pas bien avec le. Ouais, on va se positionner disons ici. Peu importe. Je vais vous montrer quelle voiture je vais utiliser et le réglage. Alors, la voiture que j'ai choisie. C'est l'Adventador Superveloce 2016 de Lamborghini. Donc l'Aventador Super Veloce de 2016. Et je vais vous montrer le réglage que j'ai fait pour cette zone de vitesse. Et donc on va rechercher le réglage. Alors, je vais vous donner le code du réglage. Le code est le suivant: 1 7 2 5 9 5 7 1 0. 1 7 2 5 9 5 7 1 0. Et voilà. Alors, je vais l'équiper. Et voilà. Nous sommes ici, juste avant le croisement, et la zone de vitesse est là. C'est parti. Et voilà. Vous voyez, c'est pas si difficile. Prenez bien les courbes comme j'ai fait. S'il faut regarder plusieurs fois la vidéo, regardez bien. C'est tout à fait faisable. C'est faisable dans les deux sens, même si j'ai eu plus facile dans ce sens-ci. J'ai plusieurs fois dû essayer parce que j'étais chaque fois à 1 km/h près. Mais il faut vraiment bien couper, prendre un petit peu dans l'herbe et ça passe. Et bien voilà, je vais maintenant vous montrer que le défi est validé. Voilà, alors nous voyons maintenant que nous avons validé les trois zones de vitesse et cette dernière zone de vitesse, la course de la rivière, est validée. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos Forza.